Transformez n'importe quelle vidéo en format short, Reels et TikTok, tout ça gratuitement grâce à CapCut PC. On a importé notre vidéo dans notre bibliothèque média, on l'a mis sur notre timeline et maintenant on voudrait transformer celle-ci en TikTok, en short ou en Reels. Ici, on n'aura pas trop de difficultés, puisque vous voyez, le sujet est bien au milieu de l'écran. Il suffira d'aller juste ici dans l'onglet « Rapport » pour pouvoir passer de l'original à un format 9/16. Le format 9/16, c'est celui qui vous permet de transformer la vidéo en TikTok, en short ou en Reels. La vidéo vient de basculer en 9/16. Ici, on aura la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir agrandir celle-ci et ainsi avoir notre personnage au centre de la vidéo. Ça ne pose pas de problème, puisque en format original, le côté droit et le côté gauche de la vidéo ne sont pas utilisés. Mais on va charger un autre exemple pour vous montrer qu'il y a d'autres solutions si vous êtes embêté et que vous voulez l'entièreté de votre vidéo. Donc par exemple, on a cette vidéo-là qu'on veut transformer en short, Reels ou TikTok. On va toujours ici dans Rapport, on sélectionne 9/16, mais on souhaiterait garder l'entièreté de la vidéo. Dans ces cas-là, vous avez plusieurs possibilités. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est dans Vidéo basique, descendre en bas pour sélectionner Zone de travail et sélectionner un flou. Ainsi, on pourra flouter la partie de la vidéo qu'on ne peut pas lire pour avoir un effet un petit peu plus sympathique à la lecture. On peut bien sûr gérer le flou parmi les possibilités qui sont juste ici. On peut sinon, si on souhaitait, ajouter une couleur parmi toutes les couleurs qui sont disponibles juste ici. Par exemple, on pourrait sélectionner avec la pipette une couleur proche de ce qu'on a sur l'écran pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Et on pourrait, pour pouvoir compléter les espaces qui sont ici, rajouter texte et même si on souhaite un sticker qu'on mettrait juste ici. Voilà, c'est un exemple. Autre possibilité, on peut aussi ajouter plusieurs vidéos horizontales pour pouvoir compléter cet espace. Par exemple, d'autres paysages pour avoir cet effet-ci sur notre vidéo. Et on peut même, imaginons, faire les choses à moitié, c'est-à-dire qu'on agrandit un petit peu celle-ci en perdant juste cet espace-ci et cet espace-là sur notre vidéo short réel TikTok. Et on met des vidéos qui passent crème tout le temps, c'est les espèces de vidéos satisfaction, comme ceci. On ne perdra pas l'attention de notre viewer dans ce qu'on dit. Voilà, c'est un exemple, mais vous pouvez faire ça aussi avec d'autres assemblages. Le plus important, c'est de retenir que pour pouvoir adapter votre vidéo horizontale en verticale, il suffit d'aller juste ici pour changer le format de 16/9 à 9/16.